Cette maison appartient à mon mari. Il en a hérité le jour de notre mariage et nous y avons vécu depuis. Nos enfants n'habitent plus avec nous maintenant. Ils viennent parfois en vacances et... Cette année, grâce à ma maladie, la famille va se réunir. C'est quoi? C'est des pétards. Oh, mon bébé. Elisabeth a pris quelle chambre? La chambre du haut. Elisabeth, ma petite sœur, lève-toi. Il est 4 heures. Déjà. Elle est où ta femme? Ta mère. Il ne veut jamais m'appeler sa mère. Non. C'est moi qui ai un cancer. Ça, je le sais. Je ne veux plus voir mon frère. Et je ne veux plus qu'il m'adresse la parole. Jamais. Je n'ai pas été une très bonne mère. Hein. Non. J'ai aimé un peu tes frères et sœurs, mais moins que ton père ne les a aimés. Mais que vous êtes bizarre dans ta famille. Vous n'aimez pas beaucoup Sylvia. Moi, vous m'aimez bien. Pourquoi? Vous me prenez celui que je n'aime pas. Maintenant que ça fait 5 ans, dis-moi ce qui s'est passé. Pour qu'Elisabeth te déteste à ce point. J'ai jamais compris, rien vu venir. Tu peux duper le reste de la famille, pas moi. Elisabeth, tu as un vrai problème relationnel. Que même avec... Ferme ta gueule, je suis là. Oui, je sais, mais toi tu comptes pas. Et jamais... Oh. C'était pas ça. Ces choses-là ne s'apaisent jamais. Être rejeté à ce point par sa mère depuis l'enfance, c'est contre nature. Henri est terriblement prévisible, comme le mal. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai enfin fait mes analyses et il se trouve que je suis compatible. Tu vois, chère mère, il n'y a que moi sur qui tu puisses vraiment compter. Tu ne m'aimes toujours pas, hein? Je ne t'ai jamais aimé. Moi non plus.